Bienvenue à dans Anticosé à sous Espérance TV et c'est toujours un privilège pour moi de ouvrir parole bon Dieu et puis Gracien, bienvenue. Merci pour accueillir. Comment nous passé semaine nous? Eh bien semaine moi passé très bien et puis l'aide bon Dieu. Moi qu'a profiter vraiment un petit coucou à toute maman en limon la terre. Moi qu'a dire bienvenue. C'est maman là qui a gardé mission hein, sur la France. Canada, Tibouin, tout partout. Nous les disons bon courage, nous comptons pour soutien les autres qui agent nous, autres qui encouragent nous, et nous sommes autres qui prient ben nous aussi. Oui. Alors, nous on dit dans Anticosé. Anticosé, c'est une émission, et tu nous as ouvert parole, bon Dieu, et puis nous as causé à Tché, grand ouvert, gracieux, n'est-ce pas? Oui, absolument. Oui. Alors, nous finissons, à dans six maintenant qui passait à les sept trompettes. Cette trompette. Nous allons prier pour qu'il fasse un mot à sous les deux témoins et puis nous allons commencer et discussion pour aujourd'hui. Papa Dieu, nous allons remercier pour bonté, nous allons remercier pour grâce, pour la vie qu'on a accordée nous. Nous rassembler pour nous porter lumière, parole là, bas. Tout le monde qui a écouté, qui a entendu l'émission, nous commandons s'il vous plaît, accordez-nous l'Esprit Saint pour nous ça glorifier nous et qui parole là trouve place entière. Tout le monde nous a remercié pour personnel radio, les membres techniques qui a mis à la disposition pour l'évangile prêché. Nous a remercié au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous parlons des sept trompettes. Qui sont pour nous à sous les deux témoins avant de nous passer à sous nouveau thème aujourd'hui? Alors, à dans cette trompette-là, bon Dieu fait défiler, peuple, comment y est-ce que pour arriver jusqu'à la fin des temps? Et nous, ouais, que bon Dieu dit, nous, faites attention, prêtez attention. Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, il n'y a pas qu'à être content, clarté et lumière, connaissance qui est à nous. Alors, yo kay mettez d'un côté. Effectivement, yo mettez d'un côté. Et c'est l'expression, hein, des témoins, l'Ancien Nouveau Testament, te sous le boisseau, yo te ka prophétiser, yo te ni revêti de sa moun ki pèd. Pouchi yo ka pendant... ki des témoins. Yo témoin de qui ça? C'est des témoins, c'est des véritables témoins parce que c'est parole, bon Dieu, qui l'a. Et c'est pour ça, Bible a dit nous comme ça, parole ou c'est l'empire moins, lumière les sentiers moins. Je suis d'autant plus certaines paroles prophétiques. Nous devons prêter attention pour tout ça y annoncer nous jusqu'à nous accomplissement. Eh bien, donc, ces deux témoins-là, ils ont parlé en nom de Jésus. Ils ont révélé volonté de Dieu. Alors, si ces deux témoins, Pouchi, ni certaines dénominations qui dit premier témoin aboli, et puis c'est deuxième, le Nouveau Testament qui est d'actualité. C'est mon mari malheureux, et puis ils ne comprennent rien. Hein? Parce que là, Jésus, finalement, l'a en la terre, puis tous les apôtres, Paul et tout ça, c'est qui est l'Ancien Testament, il était servi. Le Nouveau Testament est venu 100 ans après. Et c'est là que nous allons reconnaître l'origine, nous. Si on élimine l'Ancien Testament, nous ne pouvons pas connaître l'origine, nous. Puis à ce côté, nous allons mettre l'eau bagaille. Et le plus souvent, ça qui abolit l'Ancien Testament, toujours ni les psaumes. Montez les psaumes qu'a trouvé. Ah, d'après moi. Extraordinaire. Ça, c'est un manière pour nous verser, nous. Très bien. Et puis, je dit que nous dit les deux témoignants, pendant 1260 ans, ils ont en bas failli. Mais, il ne faut pas nous oublier que maintenant, tenir un décret qui abolit maintenant la persécution. Et puis, la Bible vit remonter maintenant en l'an même monde. Et puis, la preuve en 400. 55, premier bagaille nous qui fait, c'est en 1455, c'est Gutenberg qui inventait l'imprimerie. Oui. Et pour te bénir l'imprimerie, hein, premier bagaille fait sortir à danse en Bible. Ouais. Extraordinaire. Alors donc, il y a vieux pour l'ampleur, et qui fait, je dis, je nous dis parole, bon Dieu. Parole, bon Dieu, pas qu'à tomber. Ouais, voilà. Très bien. Satan, un ennemi qui pète. Il pète combat. Il pète combat, ni longtemps, il pète combat. Alors, nous avons dit ça, et puis tellement facilité, mais le fait que des fois, on sait que c'est Satan, comme on dit, pour nous, qui manière un ennemi qui a vaincu, qui a peine de combat, peut aussi terrible toujours. Mais qui témoin de nous, c'est pas en bas de Jésus-Christ, terrible, il fait ça, il est pour nous, mais c'est
grâce à Jésus, c'est pour ça. Verset anonyme pour nous mettre en tête. Là, écoutez ça, regardez-nous. Oui. Nous vaincrons, nous l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, même face à la mort. Parfois. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Qui objectif chapitre 12, Apocalypse, Gratien? Eh bien, objectif chapitre là, là, c'est pour nous de l'idée finale, pour montrer nous crise finale, l'histoire, le monde, développement et puis conclusion. Il passe que tout le bagage n'est en commencement ni en conclusion. Et il a mis l'accent à ce grand conflit entre Satan et Christ. Alors, le grand conflit cosmique qui commençait, nous ne pouvons pas même fixer date. Là, il commence le conflit millénaire. D'accord? Mais le conflit là qui commence, il n'y a date qui finit. Jésus qui a vieux venu dans la terre. Oui. Pour remettre tout le bagage qui était à l'origine. D'accord. Et c'est espoir. Nous avons lu ce passage-là dans Révélation chapitre 12, oui. Apocalypse 12, verset 1 à 4. Alors, qui ça, ou peut dire nous, à ce femme-là et dragon? Nous avons lu. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. À ce premier, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes, sa queue traînait le tiers des étoiles du ciel, le jetait sur la terre. Le dragon sortait devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Et elle enfanta un fils qui doit paître la nation avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 années. Alors nous avons l'impression que nous allons vivre dans un grand film Hollywood et oui. Qui nous dit bête qui n'y des actions, etc. Mais si tu fais un film, tu as un succès. Tu as un succès. Tu as un succès. Absolument. Alors, bah nous des explications en les mots qui employent ici. Par exemple, grand signe qui paraît dans le ciel là, et femme là qui est entourée du soleil, la ligne en bas pied, et puis en couronne de 12 étoiles. 12 étoiles là, c'est qui sont les têtes là, et etc. Il était enceinte. Il était qu'à crier, il était dans la douleur de l'enfantement. Tellement bagaille vous dit. Ah ben mais oui, non, le bagaille vous dit. Nous allons essayer de simplifier au maximum. Oui. Ah, dans la Bible, la Bible qui a parlé de femme. De la femme qui a parlé de femme. La Bible, en femme qui a symbolisé maintenant en église, en peuple. Oui. En peuple. Donc, il y a deux catégories de femmes. Il y a en femme. Qui a symbolisé l'église, bon Dieu, l'église pure, et une autre femme pour symboliser l'immoralité, le péché, l'adultère, c'est une femme aussi. Je vais vous poser la question, hein, puisque l'autre fois, nous t'ai parlé de ça. Est-ce que réellement il y a des femmes, ou bien est-ce que c'était un seul femme qui n'y a, mais il vient, il tourne et d'où? Non. La question là, c'est une question qui est belle. Parce qu'il y a un seul. Petite phrase à de Apocalypse 17, les gens regardent les femmes là et puis étaient étonnés. Comment y a femme ta là, il était là, venu là. Venu là. Alors ça c'est grand grammatical, nous pas efforcé l'esprit, c'est mon nom, nous quand il vient là ça. Nous quand il vient là. Chapitre 17 là. D'accord. Mais femme là ici y a là, hein, c'est une femme qui ni nous garder ce symbole là bien. Ça qui femme ta là. Il enveloppé du soleil. Hein, soleil là, ça c'est ça. C'est le symbole, soleil, c'est le symbole de la justice, mon Dieu. Ouais. Ben, Jésus, dans Malachi, hein, il dit, enlève qu'a élevé le soleil de justice, Malachi 4, verset 2. Donc, femme là, maintenant, il enveloppé du soleil. Il y a la ligne en bas pied, et il y a une couronne 12 étoiles en les têtes. Les 12 étoiles là, qui symbolisé qui ça? Eh ben, donc, 12 étoiles là, maintenant, ça c'est la dispensation. Maintenant, de l'église, hein, les Jésus qui est l'église. Mais, femme là, ici,
qui symbolise l'église juive qui a eu naissance à l'enfant mal Jésus. D'accord. Donc, pas oublier que pour enseigner le peuple concernant le salut, bon Dieu maintenant dit faire un sanctuaire. Et puis, il a bayo des instructions. Hein? C'était pour te bayo les bases de connaissances pour savoir comment pour faire pour accéder au salut. Donc, l'église juive, c'est-à-dire qui était ni le judaïsme comme éthique d'enseignement, c'est qu'à symboliser l'église tala. L'église tala. Maintenant, au verset 3, il dit comme ça, il y a un autre signe qui paraît encore, il dit dans le ciel là, et il dit qu'il y a un grand dragon rouge, 7 têtes, 10 cornes, et à sous-tête, 7 diadèmes. Et dragon tala, c'est qui ça? Eh bien, dragon ici, qui a personnifié Satan. C'est le diable. 7 têtes, 10 cornes, 10 diadèmes. Donc, il a symbolisé le diable à un environnement tout grand. Mais il a personnifié. Parce qu'il ne faut pas oublier que le diable a agi par personne interposée. Mais là, nous gardons l'histoire et puis nous ouvrons nous voyons qui monde qui essayait de porter atteinte. Parce que souhaiter en l'air, sinon seulement, ou le dragon rouge le pouvoir arrêter là ou bloquer. Mais il faut voir qui ça y fait, dragon rouge là. Il fait de façon, puis maintenant, tu vois, pas femme là, mais tu vois là, femme là qui a accouché, nous dit femme là, c'est l'église là. Oui. D'accord. Nous savons à l'époque où Christ vini, c'était le gouvernement romain qui était là. Qui était carrénier. Maintenant, s'il était carrénier, nous avons des indices ici pour dire nous, et les 7 têtes, qui a représenté les 7 collines, les 7 collines, et les 10 cornes, et 10 puissances, etc. En mettant une yon qui levait tout cela. Mais nous avons viré les chapitres, parce que nous avons pris les chapitres 13, 14, okay. 15, 16, 17, nous avons viré ces mêmes symboles là. Alors donc, mais Satan, Adam, Ève d'extruction, il ne faut pas se maman, il a oublié ça, il personnifié. Parce que Satan, il n'y a pas venu là puis qu'on y a agi brusquement, mais il a besoin de soutien, il a besoin d'aide pour réaliser volonté de destruction. Alors donc, il choisit ici roi et Wad. Roi et Wad qui était roi, Rome. Là, il dit qu'il n'y a un roi, les juifs qui attendent un roi. Il n'y a un roi qui est né, il dit. Puisque Rome, c'était la maîtresse du monde à l'époque, c'était le quatrième royaume universel qui était pour régner 8 siècles en l'air, toute la terre. Alors, là, il tente ça, il ne peut pas supporter ça, on est l'orgueil, il est romain, et puis prestigieux. Il dit, il ne peut pas supporter ça. Il dit, allez garder côté, il y a une maman, et puis viens potentiellement maman. Et la Palestine était en bas, Jouglio. Ah ben, c'est ça. Oui, puis c'était colonisé, pas oublier, Pilate, parce que Jésus, moi, le gouvernement romain, c'est Pilate qui sanctionnait condamnation. D'accord. Okay, d'accord. Maintenant, on nous avance. Verset 4 là dit comme ça, la tchei, l'apocalypse c'est comme mouvement. C'est un mouvement. La tchei entraînait le tiers des étoiles qui t'en dit dans le ciel là et qui jetait à sous la terre. Bonne explication. Et c'est pour ça, moi je dis que quelqu'un personnifie Satan dans l'ampleur de la destruction. Oui, oui. Parce que c'est lui qui a baillé le pouvoir. D'accord. Eh bien, c'est l'ange là nous a trouvé Adam, Esaïe 14, et puis. Ézéchiel 28, qui a raconté nous comment il fait sortir en ciel et puis précipiter le latin. Ben non, écoutez, lecteur, laisse ça. Pour ce monde, au moins un élément. Et c'est Ésaïe 14, c'est ça? Oui, Ésaïe 14 et puis Ézéchiel 28. Oui, 28. Nous comprenons. Oui, maintenant, Ézéchiel, m'a tombé pile là-dedans, chapitre 28. Là. Ben oui. Maintenant, il disait. Tu diras ainsi parle le Seigneur. Verset 12. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, topaz, diamant, chrysolite, etc. Tête en bois, tête flûte, etc., etc. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur. Écoutez, au ciel déployé, je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres intercellantes. Tu as été intègre dans toutes tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée chez toi. Je te jette par terre et je te livre en spectre. Voilà. Donc, Ésaïe 14, qu'apporter en amplification ton cœur, garde-nous,
chair levée à cause du beauté. Oui. Ou penser qu'on peut être l'égal de Dieu. Oui. Alors là, nous allons lire, et c'est intéressant, mm-hmm. là, nous allons lire Apocalypse 12, mm-hmm. verset 9 là. Oui. Et qui a dit comme ça, qu'il fait précipiter grand dragon, serpent ancien, appelé le diable et Satan. Uh-huh. Mais pour qui autant non? Eh ben, donc, c'est pour ça, Madoum, sur c'est honnête. Hein, pas oublier qu'il est un chérubin protecteur. Mm-hmm. Il peut maintenant manifester quoi sous plusieurs formes. Mon cas dit, c'est mon maïla, je t'en ai dans Genèse chapitre 3. C'est ça important. C'est important. Pas, Bible a dit nous, Satan rentrait à Adam serpent, puis servit médium. Un médium, c'est un monde qui a communiqué puis l'autre. Puis couloné Eve. Eve, parce que jamais on ne sait pas parler. Depuis la création, ça a, le serpent ancien qui a fait exactement appel à l'expérience de la Genèse. Donc, parce que le diable a ruisé et puis malin. Mm-hmm. Et c'est pour ça que Bible a dit nous, Adam Pierre 5, verset 8. Hein, quand tu restes sobre et puis veillé, adversaire ou le diable qui a roulé comme un lion rugissant. Oui. Et nous, le lion rugissant, c'était bon Dieu, mais il n'y personnifiait le diable comme si un lion. C'est important. Des fois, laissez-moi entendre le nom Satan, Satanas, et qui a signifié l'adversaire de Dieu, l'adversaire des enfants de Dieu. Et puis, et le diable, le diviseur, eh bien, tout cela a montré nous qu'effectivement, eh bien, nous en danger. Mais la grâce de Jésus-Christ, le Saint-Christ, c'est la victoire, nous. La victoire, nous. Alors, mais on nous avance, nous pas boumé et puis l'air. Satan précipité à sous la terre. Oui. Et quand il était, qui ça qui fait? Ben, Satan, l'intentiel là, il était un chérubin protecteur. Il était qu'à appeler Lucifer, porte-lumière. D'accord? Non, il était porte-lumière. Maintenant, et ça, il dit, nous, tu as élevé à cause du beauté, et puis il dit, moi, quand il monte plus haut qu'il prend bon Dieu, parce que moi-même, moi, peux être supérieur à bon Dieu, moi, pas ni l'autre pour me recevoir du bon Dieu. Écoutez-moi, donc, à dans ciel-là, lui, l'ange d'Allah, c'est lui qui était responsable des anges, et puis service d'adoration, c'était un musicien hors pair. Oui. Et, Gratien, c'est important. Apocalypse 12, comme étant chaque confusion, jeudi jour, entre les adventistes même, il y a des gens qui sont à plusieurs écoles maîtres, vous ne pas savez, mais ils ont commencé à dire que Apocalypse 12, verset 7, 8, ça, ce n'est pas dit le ciel qui a parlé, la diète qui a fait là. Qu'est-ce qu'on va parler de ça? Ça semble marche élémentaire. Parce que chapitre 12 là, les versets juste à 1 à 6, maintenant, qui a parlé d'un événement qui fait dans la terre. Mm-hmm. En vision sur la terre. Oui. Jean a coupé vision, hein? Maintenant il a réussi à un autre match. Et il y a eu guerre dans le ciel. Quittez-moi d'où. Guerre là qui n'y a dit dans le ciel là. C'est une prise de position depuis Satan qu'on voit le trône de mon Dieu. Mon Dieu, il l'on dit, code lui. Puis t'es repenti quoi, il pas repenti quoi. Le la diète à la fête, on dit dans le ciel là. Est-ce que Adam et Eve attendent jamais? Amen non. Puisque c'est là maintenant la diète à la fête et ça pas même centré en le temps à nous. Mm-hmm. Parce que le temps des cieux, ça c'est pas pour nous pas pour les humains là. Oui. Donc maintenant diète à la, c'est pas ni bombe atomique. Ce n'est pas ni physique, ni coûte là, ni rien. C'est en prise de position entre la vérité et l'erreur. Et c'est là qu'on commence. Ça nous a appelé le bon adventiste, qu'a appelé le conflit cosmique. Le conflit cosmique. Conflit cosmique pas commencé en la terre. Si conflit cosmique commençait en la terre seulement, nous n'y avons le problème depuis 2300 soirs et matin. Pour nous comprendre qui modèle sanctuaire qui peut être purifié. C'est bien la terre. Donc maintenant, ces ancêtres nous ont tenu raison de quoi? Que c'est la terre qui t'a purifié, c'est Jésus qui est venu. Maintenant, nous continuons. À quel moment, vrai caractère, Satan révélé? Alors, donc, mi al-magal, m'lan, c'est mon affaire. Mi al-magal, m'lan. Donc, prise de position, t'as la quittez-moi fini pour que mon nom comprenne bien. Oui, oui. Bien. Bon Dieu, rassemble les anges, Lucifer, il baille tant, il parle pas de ticoïne. Donc, il parle pas de ticoïne, il reste dans la rébellion. Et
C'est lui entier des gens de ceux-là qui croient à des vérités. Il t'est ni en décision à prendre. Et c'est bon Dieu, bah Jésus, autorité pour faire ça qu'il t'est ni pour faire. Donc, maintenant, tout le monde qui pour la vérité, qui a reconnaître le caractère bon Dieu, placé comme autres. Tout le monde qui a reconnaître le caractère Satan. Et puis, propagande, placé comme autres. Donc, il y a un choix qui fait. Et le choix toujours. C'est pour ça, même pour les anges, ils ont un choix à faire aussi. Oui. Bon Dieu, ils n'ont pas créé pour être un robot. D'accord? Alors, on nous éclaire ces mots-là. Il y a des points. Il y a des points maintenant. Et qui m'a expliqué que Job, était, et bon Dieu est venu, a dans un conseil, et puis Satan présenté quoi, le diable là. Là où est prise de position en fait, il n'y a deux tiers pour bon Dieu, un tiers pour Satan, deux mal comme pas carré dans même tout. Donc, place lui, il peut pas trouver quoi il a. Il a dit nous, il précipite en l'air la terre. Là, il précipite en l'air la terre pourquoi bon Dieu, pourquoi tu n'as intention pour la terre. La terre est dans le chaos, nous, à deux jeunes. Mais même s'il était en plan bon Dieu, mais il peut exécuter. Il était en plan bon Dieu, mais mon Dieu, il peut tenir en exécution de projet. Ben. Bon. Alors donc, maintenant, mais faut pas nous oublier, là où est ça Adam et puis Eve séduit quoi. Considérez, yo vend la terre, yo bat Satan la terre pour dire c'est lui qui propriétaire. Il usurpe ça, non pas un grand mot français. Nous apprenons à un livre Job qui plie un siècle à la Genèse. Au conseil de l'univers, tous les autres mondes bon Dieu créé, qui par contre net le péché, yo au conseil de l'univers qui a porté rapport yo. Donc Satan venu trouver quoi parmi eux aussi à dans le livre de Job. Alors c'était quand même une grande confusion pour nous mélanger barre là dans amalgame. Donc pour ça peut être clair en tête tout le monde, ça veut dire que bon Dieu était Satan autorisation de présenter va et vient de temps en temps. Mais oui, puisque là il pose Job question quand on sorti. Job Satan pas dit là il pose Satan question, bon Dieu pose question quand on sorti. Il va dire, mon santé, allez la terre pour mener comme moi. Mon Dieu dit, où t'en allez la terre? Mais est-ce que vous observez serviteur, mon Job? Il dit, ah, quoi y en a de là? Parce qu'on croit béni, ça, c'est ça. Oui, donc, oui, là, on ne peut comprendre aussi. Donc, Bible a cadeau, il fut précipité l'accusateur des frères. Alors, il ne comprendre, c'est petite période là, Jésus fait aller la terre, que Satan vient accusateur. Satan était accusateur depuis qu'il a accusé bon Dieu. Que commandement il trouve depuis un dans ce là. C'est même le vrai commencement. Le serpent ancien. Oui. Appelé le diable et Satan qui s'est dit. Alors, à quel moment, où ça va causer, c'est comme ça. Oui. À quel moment il perdit droit visiter un ciel définitivement. Très bien. Là où Satan expulsé un ciel, de toute période de là, il était qu'à faire va-et-vient un ciel. Et qui t'a dit, il était même ni la sympathie toujours de deux tiers d'anges qui t'a été fidèle à bon Dieu. Parce que jusqu'à maintenant, il n'a pas te comprendre que maintenant, il était niantifou toujours que véritablement, Satan était mauvais au point d'être expulsé. Là où j'ai dit fini 3 ans et demi ministère, il est mort sur la croix. Ça finit par Satan, il n'a pas ni pièce possibilité de remonter en l'air. Oui. Et c'est ça, c'est mon cas confondu. La confusion est là. Nous, Satan précipité à sous la terre. À présent, la Dieu à sous la terre. Ah ben, mais oui. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer nous qui période prophétique est là, qui a représenté ben nous avons fait allusion à Satan, 1260 jours ou années, tout cela. Hein? Oui. Alors, quand. Maintenant, au verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Est-ce que vous voyez maintenant juste à position entre événement qui fait en l'air, événement et puis suite maintenant événement qui t'a sur la terre. Là c'est là où on y suite événement qui a sur la terre. Et il a dit que maintenant il poursuivit femme là, c'est-à-dire l'église là. Il poursuivit lui maintenant puis maintenant. Point dévoré Timon Maïla. Et il dit au verset 14, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât dans le désert où elle fut nourrie un temps de temps, la moitié de temps, pendant 1260 l'année.
Oui. Là, en même temps, Daniel 7, 25. Oui. Daniel 7, 25. 12, 6. Il y a donc puissance ta là, hein, Satan personnifié par Satan. Pas oublier que c'est Satan qui bat Wom pouvoir. Et pas oublier que Wom bat la papauté, pouvoir puis autorité pour monter le trône. Le dragon lui redonna son pouvoir, son trône et sa puissance. Alors donc, maintenant, nous avons vu que maintenant, les ailes du grand aigle furent données à la femme. C'est le symbole de la foi ici. L'aigle qui a symbolisé ici à la foi. D'accord. Dans la femme, puis aller dans le désert là, puis nous, oui. Nous, oui. Ensuite, le dragon, ça, il fut irrité. Il voyait de l'eau comme fleuve de madame, la femme là. Gloire ici a représenté des foules, des peuples. Pas oublier, c'est toujours foule et puis peuple qui est animé par l'esprit de Satan qui toujours combat l'église, bon Dieu, peuple bon Dieu. Le peuple bon Dieu. Ensuite, maintenant, et Bible dit nous, verset 17, et le dragon, le dragon ouvrit sa gueule, l'envoya de l'eau, fleuve d'eau pour engloutir. Au verset 17, il dit le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre. Sans laisser ça, nous pas parler là. Sans laisser nous comparer à présent là, parce que nous avons abordé la conclusion à un petit moment. Nous pas ni assez de temps pour nous expliquer, descendre en l'air tout ça et révélation qu'a dit nous. Maintenant, et la dière contre les restes. Les restes, c'est qui ça? Un petit résidu, des fois, pas même envie de dire ça. C'est qui ça exactement? Pas oublier. Et qui signe à pas oublier. Les nous prenons les trompettes. Nous dit toujours malheur qui venir mais c'est pour un cas, pour un cas, pour un cas. Ça veut dire qu'il toujours ni en reste. Peuple bon Dieu fidèle. Le reste là, ici, là, maintenant, c'est la descendance de l'église juive. Là où est le temps accompli, Dieu a envoyé son fils. Bon Dieu, voyez Ishli. Ça veut dire que le système judaïque a été fait. Pas ni mouton pour égorger, pas ni sacrifice pour faire, car Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, foulait son là. 3 ans et demi ministère après il mort. Jean-Baptiste dit, mais c'est lui qui l'agneau de Dieu qui a autorisé. Qui mène ou quoi fait ça aussi ou quoi fait partie de l'église du reste? Est-ce qu'il y a un texte qui a montré? Exactement, Apocalypse 12, verset 17. Écoutez bien. Il a dit, dragon fut irrité, enragé contre femme là. Et il allait faire la guerre au reste de la postérité de la femme. C'est pourtant, Mandou, que l'église juive disparaît. Jésus-Christ, placé l'église, je bâtirai mon église, il dit, et aïe, c'est jour des morts, pas qu'il prévoit les contre l'église. Moi. Au reste de la femme, qui garde les commandements de Dieu et qui nie la foi de Jésus. Oui, et si nous demandons la foi de Jésus, c'est qui ça? Apocalypse 19, 10, qui a dit? C'est l'esprit de la prophétie. C'est l'esprit de la prophétie. Est-ce que ce n'est pas encore un orgueil pour nous dire que nous faisons partie du peuple bon Dieu? Parce que l'esprit de prophétie manifesté au sein du peuple bon Dieu. Et moi, toujours dit, l'église adventiste du 7e jour, c'est une église prophétique. Christianisme prophétique. D'accord. Donc, maintenant, donc ça qui est là au verset 18, mais le dragon nous a trouvé arrêté en laisse. Est-ce que le verset 18 là et il se tient sur le sable de la mer. Oui. Prochainement, sur cet écran, nous avons ça signifie être sur le sable de la mer. Alors, quelle stratégie est Satan qui a manigancé pour la fin des temps? C'est le même passage là nous avons trouvé en disant. Apocalypse 12, 17. Oui, ça. Il a l'effet. Oui, la guerre. La guerre. Il a fait la guerre à tout le monde qui se sert, qui a gardé le commandement de mon Dieu. Dans tout partout passé dans le monde, Dieu, Adventiste, il est sous la loi. Ah, c'est la loi des commandements. Et c'est ceci, et c'est cela. Alors, est-ce que c'est mon pas qu'à lire ces passages-là pour montrer que nous avons un adversaire qui est doutant? Et puis, si blé, il a visé, c'est mon qui a gardé le commandement de mon Dieu, alors qu'il n'y a pas d'eau comme quoi. Quel est le commandement aboli ou pas vous aboli ça, Jésus a observé le commandement à nous. Mais ça qui plus fort dans ça, c'est premier argument, Satan passé devant mon Dieu, bah les anges, devant mon Dieu, il dit, loi mon Dieu, trop grande. Nous pas besoin d'observer la loi, nous sommes des hommes libres, nous pas besoin de la loi. Premier argument. Donc, mais, ou a marqué que Satan a persévéré dans l'idée, il va pas changer. Au moins, il combat la loi. En disant cela, il a combattu la sur la terre. Mais c'est malheureux. Ce qui est malheureux, c'est qu'il a pris
même dragon rouge là, il était utilisé à pouvoir politico-religieux, c'est même l'un qu'a utilisé au dernier temps contre les enfants de Dieu. Contre les enfants ça veut dire qui ça nous est pour nous faire à présent? Ça nous est pour nous faire à présent, c'est en nous et attaché à Jésus. A oublié verset, a dit nous, seulement nous qui vaincre lui, c'est si nous acceptons Jésus comme sauveur personnel, sans il laver nous, hein, et comme ils apprennent victoire là-bas nous, tout le monde qui sans Jésus couvain, qui a remporté victoire là, parce que Jésus a croisé tête Satan dans nous. Donc c'est là nous comprenons que nous on est en face nous un adversaire qui a vaincu, qui a peine. Maintenant on nous reste en Basel, Jésus-Christ. Et puis c'est lui qui gourmet, c'est lui qui a la victoire, et puis qui mène nous au triomphe par la grâce de Dieu. On nous pas commettre l'erreur le peuple juif que tu puis savoir yo. Jésus dit viens moi, moi quand ouvre tellement toute grandeur. Et Jésus pleure, il dit combien de fois moi t'es en vue rassemblons en Basel moi pour moi protéger pour moi sauver ou pas t'aider. On n'a pas fait ça. Mais non. Moi quoi lift là mon gars dit qui mystique. Moi quoi mon Dieu ben le Saint-Esprit pour démystifier le là et plaisir. Pour montrer que c'est révélation de Jésus-Christ. Fontaine salia ka koula dans. Oui, quitte mon Dieu, bénis nous toutes là et puis on nous tchebe fort. Bientôt, très bientôt, conflit a ka fini et nous ka ini introduit nous au ciel par la grâce. Comme les Anglais ka dit son arrivée ça. Yes. Merci en pile. Papa bon Dieu, nous ka remercie pour grâce bénédiction. Ah, yes. Là encore l'Esprit Saint a guidé nous. Nous pas connaître toute bagaille. C'est pour dire que chaque coup, chaque fois, nous quand mettez qu'on nous en pied ou qu'on des élèves ou des petits mamans qui qui apprennent d'y mettre là. Continuez bénir nous. Oh, yes. Continuez instruire nous. Quitte connaissance qui a augmenté et tout le monde qui peut comprendre Jésus comme sauveur, comme Seigneur, fais à présent et demande grâce et puis courage pour observer la loi, pour garder le commandement et puis pour savoir que l'ennemi dangereux, c'est Satan. Ce n'est pas rien à l'autre, mais c'est Satan, l'ennemi juré. Bon Dieu, voyez bénédiction, les noms. Bénis télévision, bénis les responsables, bénis le monde entier. Souple, mon Dieu, sauvez-nous en royaume, nous qu'à supplier en nom Jésus. Amen. Amen.